23 mètres. Oh. Et j'ai monté ça en 24 secondes et 73 centièmes. Oh. Et pas mal pour un cadran. Pas pourri, le vieux. Et pourtant, je passe 10 heures par jour le cul vissé dans mon taxi. Comme entraînement, on fait mieux. Nique ta mère. Pardon. Répète un peu pour voir, là. Non, mais je rêve de t'insulter ma mère. Pardon, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je ne le fais pas exprès. Non mais attends, d'abord t'insultes ma mère, et après tu t'excuses, et dis donc madame, t'as jamais fait un gros pas dans ta gueule. Mais puisque je vous dis, je ne le fais pas exprès. Je suis atteint de ce que les spécialistes appellent le syndrome de Gilles de la Tourette. C'est-à-dire que je profère des insanités et je fais des gestes obscènes sans le vouloir. Ça sort de ma bouche, malgré moi. Sans déconner. Je vous assure que c'est la stricte vérité. J'ai ça depuis l'âge de 11 ans et j'en ai 50. Alors, vous voyez, ça fait des décennies que je consulte. Mais bon, comme c'est une maladie qui ne se guérit pratiquement pas, si, elle peut se guérir, mais si on s'y prend tôt. Mais dans mon cas. Mets-toi ça dans le cul! Pardon. C'est moi qui m'excuse, je suis désolé d'avoir réagi comme ça, mais je pouvais pas savoir. Rassurez-vous, ce genre de malentendu m'arrive pratiquement tout le temps. Remarquez que ça doit pas être facile à vivre, hein, ce truc-là. Hein. Non, c'est vrai, c'est pas évident, mais bon, vous savez, avec l'âge, on finit par s'y habituer. Hein. Crève, bâtard. J'ai une petite crise, là. Je vois ça. C'est pour ça que j'ai demandé un rendez-vous avec ce grand spécialiste, le docteur Stern. Il paraît que c'est l'un des meilleurs au monde. Pas l'un des meilleurs, le meilleur. Enfin bon, d'après mon toubib. Et puis, dites donc, 13 mois et demi d'attente pour avoir un rendez-vous. Non mais vous vous rendez compte, 13 mois et demi. Ça fait 410 jours, 9 640 heures, 590 400 minutes, 35 424 000 secondes. Et on se bouge pas avec le dos de la cuillère. Et en plus, il paraît qu'il ne voit pas un patient deux fois. Oui, oui, je sais, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Et toujours d'après mon souci, il paraît qu'avec sa technique, un seul rendez-vous peut suffire à décoincer un gros blocage. Mais dans mon cas, j'espère juste diminuer mes convulsions, parce que pour ce qui est de la guérison... Oh, mon pauvre monsieur. Oh, je suis sincèrement désolé. Fred. Ah. Je m'appelle Fred. Enchanté. Moi, c'est Vincent. Enchanté de vous connaître, Vincent. Moi aussi. Et la nuit? Quoi, la nuit? Ça vous le fait aussi? Ah non, rassurez-vous. La nuit, je dors. Ah. Bon, mais dans vos rêves, là, vous avez des crises aussi ou pas?
Quand je dors, je suis le plus poli des hommes. C'est déjà ça. Et sinon, ça vous le fait combien de fois dans une journée, là? Je ne sais pas, je n'ai jamais compté. Non, mais en moyenne. Puisque je me dis que je n'ai jamais compté. Ah, bon, bah, on va compter alors. Donc vous m'avez dit que vous aviez 50 ans, et que ça vous a pris à l'âge de 11 ans, cette histoire. Oui, c'est ça. Oui. Vous avez 39 ans que vous souffrez de ce truc, et vous n'avez jamais eu la curiosité de savoir combien de fois ça vous faisait dans une journée. Mais non, c'est vrai que ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Eh ben, je vais vous le faire, moi, le calcul. En plus, il est simple. Ah oui. En 5 minutes, vous avez fait 6 crises. Donc, ça nous fait 72 par heure, que je multiplie par 16, parce que, bon, je compte que vous dormez 8 heures par nuit. Donc, ça nous fait 1152 insultes par jour à la bouche. Ouais, quand même. Attendez, c'est pas fini. 1152 que je multiplie 365, ça nous fait 420 480 gros mots et doigts d'honneur par an. Vu comme ça, c'est très impressionnant. Et je termine. 420 480 que multiplie 39, ça vous fait depuis le début de votre maladie 16 398 720 insultes et gestes déplacés. À la louche, évidemment. Ah non, exactement. Fiche-pain bleu. Ah ben, il y en a des sauves aussi. Ah ben oui, heureusement. Et sans indiscrétion, vous faites quoi comme métier? Parce que je vous vois pas trop... VRP, prof de maths ou un truc comme ça. Non, c'est vrai. Non, jeune, je rêvais d'être... Dans ton cul. Pardon. Y'a pas ça. Non, je... Enfin, je rêvais d'être avocat. J'aurais aimé faire de belles phrases, des effets de manche. Défendre des innocents injustement condamnés. Mais bon, avec ma maladie, vous imaginez un peu la tête des jurés avec un avocat qui crise en pleine plaidoirie. Ah, je vois le tableau, oui. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les jurés. Putain, tu s'emmerdes. Ça fait des heures. Donc c'est pour ça que je me suis rabattu sur une confession que je pouvais exercer seul chez moi. J'ai créé une petite maison d'édition que j'ai très bien vendue il y a quelques temps, et maintenant je vis de mes rentes, voilà. Et vous? Eh ben, moi je vous l'ai dit, je suis taxi. Mais non, mais vous, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah! Figurez-vous que d'après ma femme, j'aurais l'obsession des chiffres. Ah bon? Je n'ai pas remarqué. Mais, remarquez que... Mon top, comme ils disent, là, enfin, bon, moi je le vis très bien, mais enfin, c'est ma femme qui me supporte. D'ailleurs, c'est elle qui m'a pris ce rendez-vous, hey, parce que je la saoule trop avec mes chiffres. C'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de compter tout et n'importe quoi du matin jusqu'au soir. Alors, bon, pour elle, c'est un enfer, et pour moi, c'est comme qui dirait un loisir. Oui. Bon. D'autant plus que votre handicap, enfin, si handicap il y a, vont quand même extrêmement brillants. Ah oui, car vous comptez quand même la vitesse de mon cul. Je vais lui dire à la vitesse de la lumière. Fred, vous voulez faire plaisir? Ah mais j'en serais ravi. Alors arrêtez de vous excuser à tout bout de champ. Non, parce que j'ai très bien capté que vous ne le faisiez pas exprès. Bon, et même si tout à l'heure j'ai failli vous mettre un bourre-pif, bon, à présent je comprends parfaitement la situation. Hein? Je vous remercie. Et sinon, vous êtes marié? Ah non, non, non. Ça a failli il y a bien longtemps, mais bon. Bon, ça ne s'est pas fait. Ah, Isabelle. Remarquez, elle a dû avoir peur que j'insulte le curé juste au moment où elle... Je la comprends, hein, moi-même, à sa place. C'était pas facile, hein, vous savez, pour elle, pour les parents, les amis, les enfants. Non, c'était pas facile. Et vous avez des enfants? Ah oui, deux. Bon, vous voyez, c'est tout con comme chiffre. Hein. Deux, c'est pas le calcul du jour. Marquez, vous ne pouviez pas en faire des millions. Ah, potentiellement si. Hein. Bonjour. Il y a un problème?
crabe. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle d'eau? Ah non, désolé. Je crois que c'est la porte juste derrière, là, dans le couloir à droite. Merci. Dites donc, hé, hey, vous avez vu la maniaque? Ma femme, c'est pareil! Tant qu'elle a pas tout pris qu'à fond, on peut pas se détendre. Mais même à l'hôtel, elle fait le ménage. Et quand on va au resto, c'est tout juste si elle fait pas la plonge. Mais vous savez que c'est un toc, ça aussi, de tout vouloir nettoyer? Ah bon? Ah oui, oui. Vous savez, depuis le temps que je consulte, j'ai fini par en apprendre sur les autres tocs. Et regardez, j'ai tout imprimé l'autre jour sur Internet. Ça s'appelle le syndrome de lavage. Mais je suis sûr que ça porte un autre nom. Un nom beaucoup plus compliqué. J'ai pas, hein, je vais vous le trouver. Plus tard, ben voilà. Le docteur n'est pas là? Ah oui, je ne sais pas, madame, j'attends. Moi aussi, depuis 750 secondes. Enfin, je dis ça comme ça à la louche, mais j'ai pas regardé. Encore ? Oh la salope ! Bah, attends, hein, celui-là, il est pour moi. Bah, dis donc, c'est contagieux votre truc, là. J'espère qu'elle m'a pas entendu, hein. Vous voyez que c'est gênant. Bah oui, enfin, sauf que moi, j'ai pas l'excuse de la maladie, hein. Enfin bon, si elle m'a entendu, je pourrais toujours lui dire que moi aussi, j'ai chopé le syndrome de Robert de la Girouette. Gilles de la Tourette. Oh, j'étais pas loin. Ah bah voilà, j'ai trouvé. Ah. Écoutez, pourquoi vous insultez cette pauvre dame? Ah mais je ne l'insultais pas, elle. Je pensais à ma femme. Mais elle m'a tanné très exactement 82 fois avant que je craque et que j'insiste et que j'accepte son rendez-vous à la con. Alors que ça se trouve, c'est elle qui est malade et qui devrait être là à ma place aujourd'hui. Voilà. Nosophobie. Nosophobie? Nosophobie. Crainte exagérée d'attraper une maladie. Oh bon. Et c'est quoi le nom savant de mon truc à moi là? Ah. Alors pour vous. Arythmomanie. C'est quoi ça? Arythmomanie, personne qui compte en permanence dans sa tête. Merde! Je suis vraiment malade alors! Bonjour! 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 Oh, ça sent la pétasse! Oh, ça sent la pétasse! Mais je suis fou! Pardon, madame, je vous prie de bien vouloir me sortir. Non, mais ça va pas bien la tête? Vous êtes souvent en prise d'alcool ou quoi? Attendez, faut pas se vexer, hein? Fred est un ami, mais bon, il a un petit problème. Il dit des gros mots sans arrêt comme ça, mais il le fait pas exprès. Ça s'appelle le syndrome Gilles de la Tourette. Oui, exactement. Vous connaissez ça? Bah, j'ai vu plusieurs reportages à la télévision, pas vous? Ah non, jamais. Ah, là, ça... Oh, c'est bien, Marie. Il faut dire qu'il ne le fait pas exprès. Alors, arrêtez vos numéros de pilote, là! Parce que là, vous êtes en train de culpabiliser mon ami qui est tout simplement malade. Le docteur n'est pas là. Pas que je sache, mais je ne suis là que depuis 2 minutes. Ah, non, 4-15. Mais le docteur n'est pas là? Je sais rien, moi, ma petite dame. Et puis, j'ai mis 13 mois et demi avant d'avoir un rendez-vous. Alors, vous savez, je suis pas à 5 minutes près. Hein. Ah, d'autant plus que je bosse pas avant ce soir, alors ça va, j'ai le temps. Le temps de chier de la merde!
Le fait d'être... Vous savez où c'est ? Oui, merci. Et dites donc, ça fait trois fois ? Elle m'en bouffe de la savonnette. D'ailleurs, je serais curieux de savoir combien l'on consomme par an. À la louche, comme ça, je dirais entre 175 et 210. Vous croyez qu'elle garde des boîtes ? Je ne sais pas, c'est possible. Bonjour. 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 Vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur ? Oui. Oui, mais il a pris combien de rendez-vous aujourd'hui ? Ouais, et si ça trouve, il faut éteindre la lumière. Oh mon Dieu, la lumière ! Je suis partie de chez moi sans éteindre la lumière. Oh là là, quelle idiote je fais ! Oh, il gaz ! Quoi ? Le gaz aussi ? Oh, peut-être, sûrement. Oh, je sais plus. Oh là là, il y a que trois personnes avant moi, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, mais vous êtes la quatrième par ordre d'arrivée. Enfin bon, si vous avez un problème, moi je veux bien vous céder ma place. Hein. Si ça peut éviter une explosion, c'est de bon cœur. Enfin, je dois vous prévenir que je ne suis que le deuxième. Hein. Monsieur est avant moi, bon, et puis la petite dame qui est tout le temps aux toilettes est avant. Vous savez, je ne suis pas pressé, moi non plus. Je peux très bien vous céder ma place, hein, si vous voulez. Oh merci, monsieur, vous êtes bien aimable. Vous voyez, je vous avais dit qu'il était très gentil. T'as comme tu sais. Bon, faut que je vous prévienne d'un truc. Bon, Fred est un ami, mais il dit tout le temps des gros mots comme ça sans le vouloir. Il le fait pas exprès, hein. Voilà. D'accord. Voilà, et dès que Fred dit des gros mots, hein, la petite dame qui est là, J'ai vu. Quand on a les clés... Oh mon Dieu, les clés. Mais à quelle heure le docteur va-t-il nous recevoir? Et il va arriver combien de gens encore? Bon, ouais, et de toute manière, il ne reste plus qu'une chaise. Alors après, s'il en vient d'autres, bah, il faudra les prendre sur les genoux. Hein. Ah bah ça, il y a de question, hein, pour attraper des mycoses ou quelque chose comme ça. Je déconne. J'avais compris. Oh merci, mon Dieu, je disais. Oh là là, mais si quelqu'un sonne chez moi, avec le gaz ouvert, ça va faire une catastrophe. Excusez-moi, madame, mais avant de partir, vous n'avez pas vérifié si vos robinets étaient fermés ou pas? Sûrement. Je vérifie toujours, plusieurs fois même. Combien de fois exactement? Oh bah je sais plus, mais beaucoup. Plus de 10 fois? Oh bah oui, beaucoup plus. Mais combien de fois à la louche? Oh bah je sais pas, moi je dirais entre 20 et 30 fois minimum. Ça va alors? Bah oui, ça va. Mais oui, mais vous inquiétez pas, si vous avez vérifié 30 fois, c'est bon. Non, parce que à partir de une fois, c'est bon. Pensez, c'est très très bon. C'est bon, pas Alors voilà notre sixième chaise. Bonjour. 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 Entrez, mon vieux, hein. N'ayez pas peur, on va pas vous manger. Oui, j'imagine bien. Ah, il faut quand même que je vous prévienne d'un truc, là, avant que ça ne provoque des embrouilles. Bon, Fred dit tout le temps des gros mots comme ça, mais il le fait pas exprès. Voilà. Vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur Stern? Bah oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tous ces rendez-vous? Il n'était pas question de thérapie de groupe, que je sache. Non, je crois pas, non. On vous a dit que c'était une thérapie de groupe, à vous? Non. Non. Enfin ! On va venir par les chasseurs. Allez, on se calme. Bon ben alors, mon vieux, vous rentrez ou pas ? Hey, bon, allez-y, votre chaise vous tend les bras, hein ? Oui, mais c'est les lignes. Quoi, les lignes ? Les dessins, là, partout sur le sol.
Je marche jamais sur les lignes. Jamais. Ah. Eh ben, sautez par-dessus, mon vieux. Hein? Il n'y en a jamais que 32. J'ai peur qu'on se moque de moi. Ah, c'est ça. Mais vous vous êtes moqué de Fred, là, tout à l'heure, quand il a crié ses cochonneries? Bah, non. Bon, et vous vous moquerez de moi si jamais je dis quelque chose qui vous paraît anormal? Non plus. Bon, et pareil pour les dames qui sont là? Ah oui, pareil. Ah non, 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 moi je suis venue pour une amie qui ne peut se déplacer, mais personnellement, tout va bien. Bien sûr. Oh la vache. Oh la vache. Eh, hey, très fort, hein. Très, très fort. Ah, mais jeunesse. Ah. Trésor de la vie. Ah, eh, hey, le poète avec ça. Enculé. Vous parlez d'une poésie? Bon, allez. C'est ma tournée. Quelqu'un veut un verre d'eau? Oh non, non. Moi, je veux bien. À tous les coups, je suis partie de chez moi sans fermer le robinet de la cuisine. Oh là 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 là. Tout va être inondé quand je vais rentrer. Ah, oh, mais non, mais non. Vous inquiétez pas. Avec un peu de chance, tout aura explosé avant. Excusez-moi, mais avant de partir, vous n'avez pas vérifié le robinet? Si, plusieurs fois. Mais quand même, j'ai peur d'en avoir laissé un ouvert. Ah! Ah, salope! Bonjour. 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 Excusez-moi, j'étais au téléphone et ça a duré plus longtemps que prévu. Pardon. Vous êtes le docteur Stern? Non, je suis son assistante. Madame, je suis arrivée après ces messieurs et cette dame. Mais ils ont la gentillesse de bien vouloir me laisser passer en premier. Parce qu'il est fort probable que je sois partie de chez moi sans avoir fermé mon gaz et peut-être aussi mon eau. Ah, très bien. Ah bon, je vous ai laissé passer, moi aussi? Excusez-moi. Le docteur Stern ne pratique pas la thérapie de groupe, j'espère. Parce que si c'est ça, moi... Je suis désolée, je n'ai aucune information sur la consultation. Tout ce que je sais, c'est que son avion a pris du retard à Francfort à cause du brouillard. Et comme je n'arrive pas à joindre, je ne sais pas s'il est encore dans l'avion ou déjà dans le taxi. Il faut que je surveille le téléphone. Je vous tiens au courant. Mais moi, si j'ai tout laissé ouvert chez moi, l'eau, le gaz, l'électricité, bonjour les factures. Ah, vous voulez que je vous calcule combien ça va vous coûter? Non. Non, mais à la louche. Non. Non. Ok, j'insiste pas. Francfort, c'est quelle heure au bord? Roissy, terminal 2D. Ah, il va mettre combien de temps pour arriver? Ah ben ça dépend. Trois quarts d'heure si c'est un manche, 40 minutes s'il roule normal, et une demi-heure s'il s'appelle Vincent. Bon, bah si c'est une demi-heure, ça va. Oui, enfin, sauf s'il est encore dans l'avion. Excusez-moi, ça vous ennuie si j'aère un peu, parce que là, rester assise dans la même pièce, on est en plein hiver, avec toutes les grippes, les pharyngites et tout ce qui traîne, je vois pas c'est des meilleurs. Oui, c'est-à-dire qu'il ne fait pas chaud quand même. Enfoiré! Oh, c'est bien, marie Joseph. Il y avait longtemps. Mais, qu'est-ce que vous faites, vous? J'harmonise un peu. Vous voyez pas que c'est le bordel? Hein? Quel bordel? Ben oui, c'est pas symétrique. Alors, on est où, là? Dites donc, Fred, je dis pas ça pour vous embêter, là, mais... Si jamais le docteur veut tous nous voir un par un, là, pour cette histoire de thérapie de groupe, ça risque de nous prendre la journée, là. Alors, moi, je m'en fous, j'ai tout mon temps. Enfin, c'est peut-être pas le cas de tout le monde ici, hein. Ah non, moi j'ai pas toute la journée, hein. Ah non, moi j'ai pas toute la journée, hein. Bah moi non plus, hein. Ah bah moi non plus, hein. Surtout si j'ai laissé un robinet ouvert. Moi, on m'a dit que c'était un travail de groupe. Ah bon? Mais qui vous a dit ça? Bah le médecin qui m'a conseillé le docteur Stern. Oh, Seigneur Marie-Joseph! Oh, Fred! Cool, quoi! Mais de quoi avez-vous peur? Mais c'est cette histoire de thérapie de groupe. Vous savez, toute ma vie, les gens se sont moqués de moi. Et avec l'âge, je supporte de moins en moins, voilà. Mais je comprends tout à fait, hein. Moi c'est pareil. Hein. C'est déjà pas facile de parler devant quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais alors devant plusieurs personnes, voilà, inconnu, vraiment, merci bien. Hein. Moi, il y a 2 ans, j'ai participé à un travail de groupe, mais personne s'est moqué de moi. Voilà, Fred. Relax, cool. Cool, 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 cool. Vous
savez ce qu'on devrait faire? Non. 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 Eh bien, on va faire un tour de table pour se présenter. Mais grand Dieu, pourquoi? Ah non. Bah, c'est parce que c'est la... devant le docteur, c'est la première chose qu'il faudra faire. Donc autant le faire maintenant, on va gagner du temps, et puis en plus, on sera moins stressé devant lui. Bah, c'est pas con, ça. Mais Fred, vous êtes d'accord? Bon, bah, s'il suffit juste de se présenter... Ah non, il faut aussi dire la raison de sa venue, hein. Et puis sa couleur du jour. La couleur du jour? Ça veut dire quoi? Oui, c'est pour son humeur. Par exemple, si vous êtes dépressif, vous allez dire le noir. Si vous êtes optimiste, vous allez dire le rose. Oh là, faut se méfier avec le rose, hein. C'est à peu près ta confusion. Bon, eh ben, qui commence? Moi, je veux bien. Alors, je m'appelle Bob. B-O-B. Bon, on peut fermer là, parce que je vous rappelle que vous ne faites pas chouchou. Et ça y est, je suis fermé déjà là. Alors, et maintenant, interdit de s'interrompre. D'accord? J'y vais plus que deux. Bon, enfin, sauf Fred, bien sûr, parce que pour lui, il fait pas exprès. Allez, bon. Alors, je m'appelle Paul, j'ai 35 ans, je suis concepteur de jeux vidéo, et je souffre de TOC depuis mon adolescence. Les deux principaux sont mon incapacité à marcher sur les lignes et ma fascination pour la symétrie. Et c'est quoi votre couleur? Vert. Pourquoi? Parce que c'est la couleur pile poil au milieu de l'arc-en-ciel. D'un côté, vous avez l'orange. De l'autre côté, vous avez le bleu. Je l'ai, on a dit beau. Trois, trois. Vert et pile poil au milieu. Et vous êtes à quelle banque? CIC. J'en étais sûr, j'en ai mis là-dessus. Bon, bah, à qui le tour maintenant? Bah, on n'a qu'à reprendre dans l'ordre d'arrivée. Ah. Ah, bah, sauf si. Donc ça veut dire que c'est à moi alors? Bah, oui, bah, sauf si vous voulez que je commence avant vous, comme vous voulez. Non, non, avant, après. Donc, je m'appelle Frédéric. Fred pour les amis qui ne sont pas légion. J'ai 50 ans. Je souffre du syndrome de Gilles de la Tourette depuis l'âge de 11 ans. Et comme c'est une maladie qui ne se guérit pas... Enculé ! Très bien, Marie-Joseph. J'ai juste espoir que les médicaments progressent afin de diminuer mes convulsions. Voilà, vous savez tout. Et c'est quoi votre couleur? Ma couleur? Isabelle. Isabelle? C'est un prénom, ça, c'est quoi une couleur? Mais non, c'est les deux. Ah oui? Oui, oui. Mais oui. Allez, à vous. Donc, eh ben, moi, c'est Vincent. Voilà, j'ai... Merci, c'est agréable! Bon, donc, Vincent, hein? Voilà. Et donc, je suis taxi, ma couleur le bleu, comme les taxis bleus, et mon problème à moi, enfin, bon, surtout celui de ma femme, parce que moi, après tout, je le vis très bien, c'est que bah, je peux pas m'empêcher de compter tout et n'importe quoi. Voilà. Alors, au stade où on en est, il y a deux écoles. Soit je me calme un peu, soit après 20 ans de mariage, ma femme demande le divorce. Voilà. Et Nathan, ça fait combien en jour? 7300. Et en minute? 10 512 000. Waouh! Sans réfléchir en plus, hein? Ah oui, bah encore, ça c'est simple, hein? Moi, ouais, ce que j'aime bien, c'est faire des calculs encore bien plus compliqués. Ah tiens, hé! J'étais en train d'expliquer que j'étais un serial killer. C'est pas vrai. Mais non! Il a la manie de tout compter. C'est un génie, c'est tout. Ah, génie, je prends, merci. Non, ce que j'aime pas, c'est qu'on me traite d'autiste. Attends, autiste, ça n'a jamais été un gros mot. Bah, peut-être, mais j'aime pas. Bon, bah, à vous. Alors, moi, je m'appelle Blanche. Comme la chef de Monsieur Seguin. Attends, on avait dit qu'on n'interrompait pas. Oui, c'est vrai, pardon. Donc, comme vous pouvez constater, ma couleur, c'est le blanc. La quarantaine, je suis laborantine et j'ai une peur horrible des microbes et des maladies. Alors, d'aucuns disent que je somatise, mais
Quand on lit ce qu'on lit, quand on voit ce qu'on voit, je pense que j'ai raison de m'inquiéter. Alors, comme j'ai tendance à m'angoisser avec tout, mon entourage m'a fortement incité à consulter différents docteurs, et voilà, je termine aujourd'hui avec le grand spécialiste qui est le docteur Stern. Une sommité, paraît-il. Et ça vous a pris à quel âge, cette histoire ? Bon, je pense que j'ai toujours eu ça, mais ça s'est surtout accentué depuis une vingtaine d'années. Allez, Anna, arrêtez les fous de cul ! Bien fait l'enchaînement ! Bon, allez, c'est à vous, là. Quand vous aurez fini de tricoter, évidemment. Allez ! Mais moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je viens pour une amie qui ne peut se déplacer. Bah, tiens. Hey, c'est marrant, je la connais pas, votre copine, mais... Je suis sûr qu'elle vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Oh mon nom ! Vincent, on avait dit qu'on ne se moquait pas. Bon, vous êtes en méchant. Allez-y, on vous écoute. Seigneur, donnez du courage à votre créature. Alors, je m'appelle Marie. Je ne vous dirai pas mon âge. Ma couleur est le bleu. Mais attention, pas le bleu taxi. Non. Moi, c'est le bleu céleste. Amen. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai une sale manie qui, d'après mon docteur, a dégénéré en ce que vous appelez un toc. Et quelle manie ? Eh bien, je vérifie sans cesse les choses. Quelle chose ? Eh bien, tout d'abord mon sac. Mais aussi, quand je sors de chez moi, je vérifie que j'ai bien fermé toutes les serrures à clé. Et je fais pareil avec mon eau, le gaz et l'électricité. Et vous connaissez ça, mon frère ? Ah oui, oui, oui. C'est un grand classique, hein. Ça s'appelle le toc de vérification. Oh. Non, mais d'après ce que j'ai lu, ça se soigne très bien. Ah, vous voyez, hein, c'est pas la mer à boire non plus. Hein. Bon, il ne reste plus que vous. Non, attendez. J'ai aussi des pensées. Des pensées de quoi ? Des pensées qui reviennent. Toujours les mêmes. Mais quel genre de pensées ? Ah, non, ça, je préfère en parler directement avec le docteur. Oui, sûrement. Puis j'imagine que vous avez pris énormément sur vous pour nous raconter tout ça. Oui, beaucoup. Oui, sûrement. Pardon de rester sur vous, là, mais quand même, quand vous priez, là, et que vous faites vos signes de croix hyper vite comme ça, là, c'est un toc, ça aussi ? Peut-être. Je sais pas. Oh, vous croyez que je suis folle ? Oh, mais non ! Vous inquiétez pas, sinon à ce compte-là, on est tous frappés dingues, hein. Pas vrai, Fred ? Oui, oui, oui. Écoutez, c'est pas parce qu'on a un petit problème qu'on est fou, rassurez-vous. Bon, allez à vous. Oh non, pas moi. Oh non, pas moi. Pourquoi ? Fred et Marie l'ont bien fait ? Ça me gêne. Ça me gêne. Mais tout à l'heure, devant le docteur, il faudra bien que vous parliez. Blanche a raison, hein. Le groupe sera le même. Considérez ça comme un petit training, hein. Allez, courage. Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Ah bon, c'est bien. Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Oui, mais ça vous fait quand ? Bah, tout le temps. Bah, tout le temps. Vous répétez toujours tout deux fois ? Oui, et des fois je répète la dernière syllabe des autres. Oui, et des fois je répète la dernière syllabe des autres. Et depuis quand c'est devenu systématique ? Depuis la mort de mon père. Oh, et... Depuis la mort de mon père. Mais on est où, là? Ça doit pas être facile à vivre, ça non plus. Ah non, 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 c'est très dur. Ah non, 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 c'est très dur. Oui, mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous répétez pas la phrase deux fois? J'ai peur que ça me tue. Oh, j'ai peur que ça me tue. Carrément, hein. Vous avez ça dans vos fiches? Attendez, je regarde. Remarquez, l'avantage de tout dire deux fois, c'est bien symétrique. Oh ben merci, ça fait plaisir. Oh ben merci, ça fait plaisir. Et c'est quoi votre couleur ? Gris. Gris. Pourquoi ? Bah, je sais pas. J'espère que ça va me porter chance. Bah, je sais pas. J'espère que ça va me porter chance. Et oui ! Hé ! Gris-gris ! Ah voilà, j'ai trouvé. Bali-lali et éco-lali. Oh putain ! Mais ils ont vraiment des noms pour tout, hein ! Oh, c'était quoi déjà le nom de mon truc à moi ? Je vous l'ai déjà dit, pour vous, c'est Arithmomanie. Remarquez, c'est déjà un début de mettre un nom sur son problème.
C'est très bien. Ah, voilà la plus belle. Oh, bah merci, c'est agréable. Il y a des nouveaux? Désolée, je n'ai toujours pas pu joindre le docteur. Enfoiré! Salut, Marie-Joseph! On va y arriver longtemps, tiens, allez. Mais j'ai réussi à voir l'aéroport. Ah. Et il semblerait que son avion ait décollé, c'est déjà ça. Ah. Il semblerait, parce que ce n'est même pas sûr en plus. Si, c'est sûr. Ben, si c'est sûr, pourquoi vous employez le conditionnel? Pardonnez-moi, d'après eux, son avion a décollé, c'est bon. Bon, et il y a combien de temps? Ah ben ça, ils ne l'ont pas dit. Mais au pire, le vol dure 50 minutes. 3 000 secondes. Enfoiré! Oh, Seigneur Marie-Joseph! Oh. Vous m'excusez, je retombe près du téléphone. Voilà. 50 minutes! 50 minutes! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Pendant 50 minutes! Mais, ça vous dirait un jeu? Oh oui, pourquoi pas? Oui, oh oui, pourquoi pas? Bah oui, ça dépend, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, des jeux de société. Il y a pas le solitaire? Oh là là, le verre solitaire, quelle horreur! Le solitaire, ça peut durer jusqu'à 12 mètres de long, c'est ça, c'est ça. Non mais vous vous rendez compte? 12 mètres de long! Et il paraît que quand ça vieillit, ça peut même se retourner contre son maître. Fred, oui. Il y a un jeu de cartes. On pourrait faire une réussite. Hein. Non, mais... Non, attendez, mais si on fait un jeu, on joue tous ensemble. Ah. Personnellement, je ne suis pas venu ici pour jouer à quoi que ce soit. Mais bon, il y a quoi exactement? Bon, bah, à part les jeux de cartes, je vois un jeu d'échecs. Mais non, il faut qu'on puisse jouer à 6. Ah, à 6. Oh, bah, il y a les petits chevaux. Oh, bah, il y a les petits chevaux. Eh ben non, les petits chevaux, ça ne va pas. C'est 4 maximum. Il y a le Scrabble. Oh non. Ah, devant l'hystérie collective. Il y a le Trivial aussi. Ah bah si c'est Trivial, j'ai peut-être des chances de gagner. Alors. Ah bah oui, vous êtes même hors concours. Bon, mais... Bon, ça caille un peu là, moi, je vais fermer cette affaire. C'était pour les microbes. Oui, oh. C'est bon, ça paye. Ah ouais, et un Pictionary. Je sais même pas ce que c'est, un Pictionary. Oh, il faut faire des dessins. Oh, il faut faire des dessins. Mais dites-moi, elles sont pas un peu crasseuses, là, toutes ces vieilles boîtes? Ah non, mais par contre, elles sont mal rangées. Hein. Ah, je peux vous proposer un bon vieux jeu classique. Ah, le voyons. Monopoly. Ah, bah voilà. 7, 7, 7, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, vous touchez mon pion. Vous lui faites toucher la ligne. Oh, pardon, pardon. Écoutez, Bob, ça n'a aucune importance. Vous voyez mon pion, il touche légèrement la ligne. Eh bien, ça ne me pose aucun problème. Je ne sais pas comment vous faites. Je vous occupe tous! Oh, Seigneur Marie-Joseph! Mais donc, pas maintenant, là, on joue! Bon, alors, Lily, le faubourg Saint-Honoré, on l'achète ou on fait du lèche-vitrine? J'achète! Ok, et eh ben c'est 300 euros. Putain, heureusement que je fais la banque, moi, parce qu'avec tout, tout sera gratos. Hein. Allez! 100, 200, 250 et 300. Merci! Oh. 100, 250 et 300. Ok, merci. Allez, c'est à moi. Hop. Je veux un œuf. Bon, là, la gare de Lyon, bah oui, parce que j'ai déjà la gare Montparnasse et la gare du Lyon. Et avec celle-là, ça m'en fera 3. Et si jamais je mets la main sur les 4, vous allez voir comment ça va douiller. Hein. Non, mais dites donc, vous êtes obligé de ne pas douiller les dés comme ça. C'est technique pour les autres. Ça va, hein. J'ai les mains propres. C'est pas comme d'autres. Mais non, je déconne, c'est bon, tout va bien. Mettez-vous. Merde, 6. Oh, compagnie de distribution d'électricité. Oh, mon électricité. Si j'en ai rien à faire, cette merde. Bon, allez, j'achète quand même, va. À vous. Ouais, à moi. Ouais. Attendez. Attendez. 11. Voilà. Chance, chance. Ah. Allez. Rendez-vous à l'avenue Henri Martin. Si vous passez par la case départ, vous recevez 200 euros. Et allez. Alors, oui, je passe par la case départ. Et oui, j'achète l'avenue Henri Martin et je reçois 200 euros. Ça vient, ça vient. Bien joué, Fred. Oh, vous savez, hein, c'est la chance. Hein. Le cul de fion.
Ça, on peut dire que vous avez de la chance. On n'a pas fait deux tours que vous avez déjà raflé cinq grosses rues. Et quand en plus le tour d'avant vous êtes tombé sur la case départ, il vous reste plein de pognon. Il est blindé le Fred. J'imagine que vous savez exactement combien il me reste. Ah oui, 795 euros. C'est pour dire que vous êtes le plus riche. Ah bon, ah bah. Alors ça du bon, cette thérapie de gourou. Hein. Allez, à vous Blanche. Oh. 10. Ah, oui, le cours. Vous achetez ou pas? 60 euros, c'est pas cher. Ah non! Non, pas maintenant! Mais vous irez vous laver les mains quand ce sera le temps de mort! Oh, mais c'est chiant à la fin, quoi! Ça casse le rythme! Vous la stressez encore plus! Oh, ça va, c'est pas grave! Oh, ça va, c'est pas grave! Moi, je suis désolée, mais je trouve que le Monopoly avec les euros, c'est pas le vrai Monopoly. Mais faut savoir vivre avec son temps, ma petite dame! Non, pas forcément. C'est facile pour vous, vous comptez tout à la vitesse de l'éclair. Mais pour nous autres qui sommes habitués au franc, il faut dire que c'est pas facile quand même. 1 euro égale 6,50, c'est ça? Mais non, 6,55, 957. Eh bien, c'est bien ce que je dis, c'est pas pratique. Oh, mais vous plaignez pas, hein, parce qu'on n'est pas les plus mal lotis. Hein. Regardez les Grecs, pour eux, c'est l'enfer. 1 euro égale 340 drachmes, 750. Et pour les Irlandais, 1 euro égale 0,787 livres. Les Espagnols, 1 euro égale 116,386 pesetas. Oh, les Portugais... Stop les... Oh. Arrêtez, vous me saoulez avec tous les chiffres. Ah ben merci, c'est sympa pour les Portugais. Nous allons enfin savoir si la très convoitée rue de Courbe est tombée dans votre escarcelle. Oui, j'achète. Bien. 60 euros, merci. Voilà. Bon. À quoi? Allez, à quoi? Bon. 11. Yes! Avenue Foch, je la voulais. Ah, désolé mon vieux, mais je suis pas sûr que t'aies les moyens de te la payer. Vérifie, hein, 200 euros, 300 euros, pardon. Vérifie, mais à mon avis, il ne te reste que 210. Peut-être, mais je la veux. Mais pourquoi? Parce que c'est l'avenue de Paris que je préfère, avec ses deux contre-allées bordées d'arbres bien symétriques. Oui, effectivement, elle part de l'Étoile, elle va jusqu'à la place Dauphine. Enfin bon, qu'est-ce que tu veux? T'as pas les ronds pour te la payer, c'est dommage, mais c'est comme ça. Bon, allez, Marie, à vous de jouer. On non, attends! Je la veux et je l'aurai, point barre. Et attends. Eh oh, c'est qu'un jeu, après tout. Puisque t'en avances, tu devais le savoir, non? Je la veux, c'est tout. C'est quoi ce caractère? Je suis cyclothermique ou quoi? Timmy. Ah. Timmy. Cyclothermique. Bon, écoutez, Bob. Je peux tout à fait vous prêter les 90 euros qui vous manquent, si ça peut vous arranger. Non. Si bien Vincent, je suis blindé, alors... Non. Hors de question. Les arrangements, là, comme ça, c'est quand tout le plateau est vendu, pas avant. Pas forcément. Moi, je me souviens, à l'époque, on jouait avec des francs, et ben, on pouvait se prêter de l'argent quand on voulait. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fais, là, Nourieff? J'ai la règle du jeu. Mais non, laisse tomber. Allez, reviens, là, on s'en fout, on va voter, ok? Bon, alors, ceux qui sont pour, lève la main. Et attendez, là, on lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent avant que tout le plateau ne soit vendu. Et attendez, là, on lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent avant que tout le plateau ne soit vendu. Alors, on est gentil, hein. On va faire des phrases courtes. Ah, c'est aussi long, apparemment. Non, mais d'habitude, j'essaye de faire court, hein, mais là, je suis prise par le jeu, alors je me lâche. Voilà. Non, mais d'habitude, j'essayais de faire court, mais là, je suis prise par le jeu, alors je me lâche. D'accord, alors, donc on raccourcit les phrases, hein, parce que là, il faut quand même pas casser le rythme, hein. Oh, ça va, hein, parce que si on peut plus parler, hein. Oh, ça va, hein, parce que si on peut plus parler, hein. Oui, mais je vous ferai dire que c'est vous qui parlez plus de tout le groupe. Oh, bah tiens, elle est bonne, celle-là. Ah, bah, vous aussi, vous comptez maintenant, il n'y a plus que moi. Bon, allez, on se calme. Qui est pour qu'on se prête de l'argent avant la fin du tour? Bah quoi? Non mais moi aussi, hein, j'ai toujours été convaincu, depuis le départ. Hein. Allez, tenez, mon bon Bob. Attendez, hein, je vous vois 10 euros. Non mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Et allez, ça se rend même plus la monnaie maintenant. Tiens, ta carte. Tiens, la voilà ta carte verte. T'es content? Oh, très bien. Allez, à vous, Marie, hein, parce que... 5. Oh, complètement.
panique distribution de l'eau. Non, non. Il faut absolument que je rentre chez moi, tout doit être inondé. Mais non, remettez-vous. Et puis, si vous rachetez la compagnie, vous pourrez trafiquer les factures. Ou mieux, vous aurez l'eau gratos. Et si vous voulez, à la fin, je vous échangerai ma compagnie d'électricité. Comme ça, vous aurez les deux. Ah oui? Et contre quoi? Ben, je sais pas, moi... votre rue de la paix, par exemple. Oh, oh les escrocs. Bon, d'accord, j'achète. On verra plus tard. Merci. À vous, Lille. Ah, vous, pas de neuf, hein, s'il vous plaît, parce que la gare Saint-Lazare aussi, elle est bombe, ok? 8. Ah, je suis chez moi. Allez, à moi. Pour une fois qu'il y a du rythme, là. Allez, il y a un petit 3, et j'aurai ma gare de Lyon, chérie. 4. Merde. Avenue Mozart. Oh. 1756-1791, mort à 35 ans. On n'aura pas fait de vieux os, celui-là. Allez, j'achète quand même. C'est à moi? Oui. Pour une fois qu'il y a du rythme. 9. Ah. Caisse de... Mes couilles. Tenez, enfin bon, cela dit, c'est pas la peine de lire les cartes, hein, parce qu'avec la chance que vous avez, vous pouvez taper directement dans la caisse, hein, enfin. Alors, recevez votre revenu annuel, 100 euros. Eh ben tiens non, qu'est-ce que je disais? Allez-y, servez-vous. C'est vrai que vous êtes vernis, hein. Bah, si j'étais marié, je comprendrais, mais... Bah pourquoi? Mais quel est le rapport? Laissez tomber. Allez, à vous, Blanche. Vous avez aidé, merci. Ah, pardon. Quatre. Chance. Chance. Allez, en prison. Avancez tout droit en prison, ne passez pas par la case départ, ne recevez pas 200 euros. Mais j'ai des boutons à prison. Ah oui. Je peux pas tirer l'autre carte. Ah bah non, vous avez joué. Vous avez joué. Ah bah non, vous avez joué. Oh, mais attention, il s'évade. Non. Referme mon retour. Oh. Bon bah c'est à qui le tour maintenant là? Bah c'est au couillon qui le demande. Ah, sympa, merci. 5. Bon bah je suis chez moi, c'est bon. Allez, à vous, Marie. Allez. 12. Caisse de communauté. Caisse de communauté. La vente de votre stock vous rapporte 50 euros. Parfait. Et 50 euros. Et dites donc, vous aviez un stock de quoi à la base? De crucifix? Ah, très drôle. J'ai fait un double, je rejoue. 10. Compagnie d'électricité. C'est chez moi. Encore? Oh là là, mais si quelqu'un sonne chez moi, c'est l'explosion. Ah non, parce que si vous faites un troisième double, c'est la prison, direct. Allez. 7. Oh, Place Pigalle. Mais vous avez quoi? Certainement pas. Vous avez quoi? 200 euros. Il vous reste 375, vous avez largement les moyens. C'est pas le problème. Mais vous avez déjà le boulevard Saint-Michel. Avec Place Pigalle, ça vous fait deux cartes oranges. Ça ne m'intéresse pas, je vous dis. Bon. Attendez, si vous craignez que je vous fasse des histoires pour vous échanger mon avenue Mozart, détendez-vous, hein. Moi les oranges, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est les gars. J'ai dit non merci. Écoutez, Vincent a raison. Vous avez beau avoir rue de la paix, vous n'êtes pas trop en position de force si vous n'avez pas Place Pigalle. Il a raison. Écoutez, tout à l'heure, Bob voulait absolument l'avenue Foch et l'a obtenu, grand bien lui fasse. Mais moi, je ne veux pas de la place Pigalle. C'est mon droit, non? Mais pourquoi? Mais parce que je ne peux pas accueillir ce symbole du stupre, de la luxure et de la fornication. Je hais cet endroit. Je l'exècre. Il me dégoûte. Voilà. Ça vous va comme explication? Mais nom de Dieu, on vous demande pas d'y ouvrir des hôtels de passe non plus. Dieu merci. Et puis quelle idée d'avoir placé Saint-Michel juste à côté de Pigalle. Oh, Saint-Michel, il a terrassé le dragon. C'est pas trois putes qui vont lui faire peur. Blasphémé, ça va tout arranger. Oh, Marie.
Dieu, si vous avez pitié de votre créature, envoyez-lui un signe. Oh, merci. Hé, son nom est Gozo. Marie, vous voulez perdre? Eh bien, même si je perds, je n'en ferai pas une jaunisse. Oh là là, la jaunisse, quelle horreur! Alors, la jaunisse, c'est une maladie issue du foie, type hépatite ou autre, qui provoque dans le sang l'accumulation de bilirubine, qui est un pigment dérivé de l'hémoglobine. Alors, chez le nourrisson, c'est pas très grave, mais chez l'adulte, ça peut être mortel. Oh là là! Bon, bah, dites donc, hey, on en apprend des trucs avec vous, hein? Hey, nous a plombé l'ambiance, elle. Bon, Marie, si vous voulez gagner, eh bien, achetez Place Pigalle. Vous croyez? Mais je ne le crois pas, j'en suis sûr. Okay. En plus, c'est une carte que tout le monde voulait. Mais enfin, Pigalle, quand même. Eh, mais c'était pas un proxénète, non plus. Non, non, un type très bien. De bonne famille, Jean-Baptiste Pigalle, un excellent sculpteur. 1714-1785. Et c'est combien? Eh ben voilà! Vous posez les bonnes questions pour le quartier! Bon, d'accord. J'achète. Mais c'est vraiment pour vous faire plaisir. Hein. Parce que Dieu m'est témoin que... Oui, 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 vous inquiétez pas. Dieu vous est témoin. Hein, il a tout vu et il est très fier de vous. Voilà. Il reste quoi? Il reste quoi? Les deux gardes, enfin. N'oubliez pas, ils sont pour moi. C'est ça, c'est ça. Trois, trois. Chance, ah. Chance. Vous avez gagné le prix des mots croisés. Recevez 100 €. Attendez. Vous avez gagné le prix des mots croisés. Recevez 100 €. Eh bien moi, j'aime pas beaucoup les mots croisés. Ah bon? C'est vrai, hein? Pourquoi ils ont pas fait des grilles avec des cases noires de la même façon des deux côtés? Hein? Pourquoi? Bon, allez, c'est à moi. Hein? Je pourrais nous aller, les petits gars. Je n'ai jamais rien demandé, mais là, il me faut vraiment un. Qu'est-ce que vous faites? J'ai envie d'essayer la langue tant que vous y êtes. Allez, c'est bon, hein. J'ai pas la gale non plus. Oh là là, la gale. Alors la gale, c'est plein de petits parasites type acariens qui pondent des œufs sous la peau, on dirait le métro aux heures de pointe. Non mais attendez, vous avez bouffé à la rousse médicale ou quoi? Et vous allez nous expliquer toutes les maladies comme ça? Non mais dites-le, hein. Parce que quand vous en serez à la bléno, moi j'irai pisser. Allez, allez les petits gars, à la 12. Yes, 12. Garce à la dame. Wouhou. Alors, je paye, je prends la carte, c'est celle-là, hop, et comme j'ai fait un double, je rejoue. Attends, ma petite carte de loup, papa arrive. Oh, le vide, Marc. C'est vrai, allez, active un peu, là. 8. Caisse de communauté. Ah, en espérant que Fred n'ait pas laissé que des merdes. Oh, qu'est-ce que je disais? Payez la note du médecin, 50 €. Ah. Il s'emmerde pas, celui-là. Non seulement il nous fait poireauter comme des cons, mais en plus il envoie la note. Oh. Mais au fait, on a des nouvelles? Ah non, j'allais voir. Mais non, on s'en fout, là, on joue. On joue. Oh, ça monte. Oh. Vous marchez super, hein, vous. Oh. Ah mais certainement pas. Non, 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 attendez. Moi j'ai juste les ronds pour me la payer. Si jamais ça flambe, je suis mort. Non. Et qu'est-ce que vous avez avec toutes les gardes? Il n'y a pas plus dégoûtant comme endroit. Mais c'est toute ma vie, les gars. J'ai rencontré ma femme, garde du Nord. Je l'ai demandé en mariage, garde Montparnasse. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, garde Salazar. Et on a fait le petit dernier garde de Lyon. Parce que vous comprenez dans les gardes, vous. Mais non, ah, c'est bon, on l'a pas fait ça dans la salle d'attente non plus. Hein. Hey, les wagons-lits, c'est pas fait pour les chiens. Hein. Bon, et alors? Non, toujours rien. Bon, c'est à moi? Oui. 11. Ah, garde Montparnasse, c'est chez moi. Et comme j'ai 3 gardes, maintenant c'est 100 €. Allez, et tout à l'heure, quand j'aurai la gare de Lyon, ce sera 200. Et à chaque fois,
Merci. Je sais pas ce que tu y trouves à cette gare de Lyon. Et si au moins elle avait encore deux tours de chaque côté, là je dis pas, mais... Tu verras ce que je lui trouve. Quand je l'aurai tout à l'heure et que tu tomberas dessus, tu verras. Ah tiens, toi qui t'es compté. La gare de Lyon, tu l'auras jamais. Ah bon? Pourquoi? On est cinq à jouer avant toi. Eh, on fait un petit pari? Tu m'as un petit billet là-dessus? Si tu veux. Bon, attention, hein, vrai. Oh là là, s'il y a plusieurs niveaux de jeu, là, ça va devenir compliqué quand même. Oh, mais c'est bon, vous inquiétez pas, c'est juste un petit pari entre lui et moi. Hein, 50 euros, c'est bon? Ah, je vous préviens, si ça tourne au tripot, moi j'arrête. Bon, d'accord, vous avez raison, ok, on oublie. On oublie. C'est à qui, là? C'est à vous, Blanche, non? Non, moi je peux pas jouer, je suis en prison. Ah, mais si vous jouez, si vous faites un double, vous sortez. Hein. Ah oui. Enfin, bon, pour vous, de toute manière, la gare de Lyon, c'est mort, parce qu'il faut que vous fassiez 5. Et 5, c'est pas un double, alors? Oui, mais si elle fait un double 1 et après elle fait 1 et 2, c'est bon, non? Ah oui, mais... Oui, mais si elle fait un double 1 et après elle fait 1 et 2, c'est bon, non? Oui, mais alors là, si elle arrive à faire ça, moi, je me fais curer. Ah non, merci, hein. L'église n'a aucun besoin de vous. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes porte-parole du Vatican, vous? Mais faut pas croire, hein. Mais nous aussi, les taxis, on est des sortes de confesseurs dans notre genre, hein. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont chialé dans mon bahut, ben vous en seriez étonné. Il y en a qui ont gerbé aussi, mais enfin ça c'est autre chose. Que Dieu me préserve de me confier un jour à un taxi. Non mais je ne suis pas d'accord avec vous, Marie. Hein. Non, vous savez, eh bien, l'autre jour, j'ai pris un coup dans le cul. Non, j'ai pris un taxi. Et finalement, au bout de deux minutes, je l'ai traité de tous les noms d'oiseaux. Et heureusement pour moi, la veille, il avait vu une émission sur ma maladie. Alors il m'a posé 1000 questions. On a eu une conversation tellement enrichissante du point de vue humain que j'en ai fini par souhaiter qu'il y ait des embouteillages. Pour que cela dure le plus longtemps possible. Bien, vous savez, cet homme m'a fait un cadeau magnifique. Oui. Eh bien, l'espace d'un instant, il m'a considéré comme une personne normale. Eh ben, vous voyez, hein? vous lui avez fait ça pour boire. Alors, j'ai voulu, mais bon, il a refusé. C'est marrant, mais là, moi, c'est maintenant que j'ai envie de chialer. Mon pauvre. Non, hé, très fort, il se lance le Bob, hein. Personnellement, je trouve ce geste quelque peu déplacé. Oh, c'est juste pour la consoler. Moi, je trouve ça plutôt mignon. Sauf si vous avez de l'herpès ou quelque chose comme ça. Bon, allez jouer. Ouais, allez, là, je sors. Ah, c'est pas possible, ça, ça fait des hautes. Mais vous avez posé des pions à la main ou quoi, là? Non, non, je l'ai vu, elle les a fait rouler. C'est pas possible. Ah oui, elle les a fait rouler, hein. Ah oui, elle les a fait rouler, hein. Compagnie d'électricité, bah, je suis chez vous, Vincent. Merci. Bon, allez-y. Allez-y, rejouez, là. Un petit 3. Non. 9. Dommage, elle est pas loin, hein. Mais c'était pas possible, qu'est-ce que tu veux? Ouais, dommage, hein, parce que la soutane se serait pris très bien. Bah oui. Ça va, son patron des taxis. Amen. Amen. Et dites donc, vous, c'est gens qui rient, gens qui pleurent, hein. On s'est à qui? Ah, c'est à moi. Avenue de la République. Avenue de la République. C'est chez moi. J'ai fait un double. Tu vas voir, Vincent. Un 6 direct. Ah. Et la gare de Lyon. Oh, putain. Quoi? T'as vu les lignes, là? Hein? C'est le jeu. Regarde. La grosse locomotive noire, là. C'est comme un gros trait qui barre la case. Il faut pas mettre ton pion dessus, hein. C'est pas bien. Ouh, c'est caca. Ah, alors le caca. Non, non, non. Vincent, c'est déloyal, là, ce que vous faites. Oh. Oui, c'est vraiment nul, hein. Oui, c'est vraiment nul. Ah bah, si on peut pas rigoler maintenant, hein. Ah bah oui, si on peut pas rigoler maintenant, hein. Pour le taxi, on a à la casquette. Oui, bah, de toute façon, c'est pas grave. J'ai joué, j'ai fait 10. Et alors la gare de Lyon, c'est foutu. Ah, mais, place Pigalle. C'est chez elle. Ah oui, c'est combien? Quoi? Ah ben, place Pigalle. Oh non, ça va pas recommencer cette histoire. Mais Pigalle, 16 euros. Ah, tenez. Non, merci, gardez votre argent, je vous Mais si
comme vous dans le quartier. Mais ce serait le rêve. C'est à qui? C'est à moi. Eh bien, allez-y. 3. Chance. Ah. Vous devez vous convertir à l'islam. Donnez-moi ça. Un bon pour ivresse. On dit ça, mais on se torche la gueule du vin de mai 112, c'est ça. Merci. Bon, allez, à moi. Bon, allez, à moi. 6. Caisse de communauté. Payer une amende de 10 euros ou bien tirer une carte chance. Bon, allez, c'est payer à moi. Payer une amende de 10 euros ou bien tirer une carte chance. Qu'est-ce que je fais? Bah, on sait pas. 10 euros, c'est pas la ruine. Oui, c'est vrai. Allez, c'est qu'un jeu. Prends un 10, tirez une carte chance. Bon, allez, à moi, là. Tu crois? Mais oui. Allez, vas-y, prends une carte chance. Ok, c'est parti. Ouh! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Allez à la gare de Lyon. Oh, ah, merci Bob, hein. Ah, vraiment merci beaucoup. Non, bah, parce que sans toi, elle payait 10 euros et moi j'avais encore ma chance. Tiens, hey. Ah. Je dis rien. Quoi? Putain, tu perds pas le nord, toi. Tiens. Bon, hé, hey, le plateau est tout vendu, on peut commencer l'échange. Ah, hey, je vous échange la gare de Lyon. Eh, hey, oh, ça va doucement, je vais vous échanger votre gare. Hein. Ah, eh, hey, oh, ça va doucement, je vais vous échanger votre gare. Vous voulez quoi en échange? Eh bien, tout! Eh bien, tout! D'accord, mais ça veut dire quoi, tout? Eh bien, ça veut dire toutes vos cartes, sauf les gars, bien sûr. Quoi? Eh bien, ça veut dire toutes vos cartes, sauf les gars, bien sûr. Ça va pas! Et puis, tout votre argent. Mais elle est complètement folle! Si je dis oui, il va plus rien me rester! Ah, si! J'ai 4 gars! Vous pouvez tous me plumer! Bon, d'accord, je marche! Alors, je vous échange ma place de labour, mon avenue Mozart, ma compagnie d'électricité, et voilà, 295 euros. Voilà, j'ai plus rien. Vous êtes content? Hein? Moi, j'appelle pas ça de la négociation, j'appelle ça du racket! Oh. Je viens d'avoir l'aéroport. Et alors? En fait, mon avion vient d'atterrir à Roissy, mais il est bloqué sur l'aire d'arrivée à cause d'une avarie de passerelle. Oh, ça fait chier! Mais ben, pas que vous, la première, ça fait chier tout le monde! Fait chier, hein! Oui, ben concrètement, ça veut dire que le docteur ne viendra pas aujourd'hui, c'est ça? Ah, mais si, bien sûr, madame, mais peut-être pas avant une heure ou deux. Une heure ou deux? C'est inadmissible de traiter des clients comme ça, des patients en plus! Je suis désolée, mais c'est indépendant de sa volonté et le docteur sera le premier navré de ce contretemps. Quoi? Contretemps? Vous appelez ça un contretemps? Non, mais attendez, moi j'appelle ça une honte! On ne donne pas des rendez-vous aussi importants à 6 personnes en même temps quand on arrive en dernier moment, et de l'étranger en plus. Non mais attendez, avec ce genre d'organisation, il n'y a pas de la place pour la moindre couille. Voilà, la place, on est tous là comme des cons. Quelle ralentir. C'est un tout bip de merde. Ah bah bravo. Hey, tu repasseras hein, pour la symétrie là. Bon, bah, t'as raison, c'est pas la peine de finir, de toute manière, je vous aurais tous plumé. J'ai gagné. Écoutez madame, je m'en vais. Mais je veux que vous disiez à votre pseudo-docteur qui va recevoir de mes nouvelles. Un an d'attente pour jouer au Monopoly. C'est tout simplement scandaleux. Oui. Et puis moi, je peux détester les virus. Et vous allez vouloir lui dire que je vais lui pourrir son site internet. C'est inadmissible de traiter les gens comme ça. Et je le dirai en détail. Ah oui. Ah, le grand docteur Stern. Hein. La sommité. Le spécialiste. Eh bien, madame, vous lui direz que c'est un charlatan, voilà! Franchement, je sais pas quoi vous dire, à part que je suis... Oui, désolé, c'est bon, on connaît la chanson, allez! Chanson, oui, bon, bah moi, je vais y aller, hein. Ah, pourquoi? Bon, bah moi, je vais y aller, hein. Ah, bah pourquoi? Bah parce que s'il arrive dans 2 heures, ça va faire tard.
Bah parce que s'il arrive dans 2 heures, ça va faire tard. Moi, je vais y aller aussi, alors. Ah bon? Bon, bah, si tout le monde se barre, vous faites quoi, vous, Fred? Je ne sais pas, hein. Écoutez, vous m'aviez presque convaincu avec cette histoire de thérapie de groupe, mais bon, si tout le monde s'en va... Je vais rester, moi, finalement. Oui, parce que j'ai envie de savoir ce qu'il va me raconter, là, le Stern. Et si je ne le trouve pas assez convaincant, il n'est pas à l'abri de se prendre un pourpif, le grand mandarin. Alors, dans ce cas, je reste avec vous. Oui, ne serait-ce que pour vous éviter de faire une bêtise. Oh, c'est gentil. Dites-moi, Bob, avant que le groupe ne se dissolve, vous qui avez déjà participé à une thérapie de groupe, ça se passe comment exactement? En fait, tout le monde se présente. Et puis après, on travaille sur chacun par plage. Plage? Oui, en fait, pendant quelques minutes, le groupe se focalise sur une personne. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est un peu comme une tournante. Oh là là, mais une tournante, c'est dégoûtant, parce qu'on peut attraper comme une cochonnerie maintenant. Non mais, attendez. Bon, si j'ai bien compris là, dans cette histoire, le toubib, c'est le groupe? Oui, tout le groupe participe, le médecin, il nous oriente. D'accord. Bon ben, et si on le faisait? Pardon, vous plaisantez. Ah non, pourquoi? Pourquoi on ne le ferait pas? Puisque maintenant on sait comment ça se passe et comme ce connard de Toubib nous a planté. Mais parce que nous ne sommes pas des thérapeutes. Et même si tout le monde participe, le docteur est là pour guider ses patients. Un petit peu comme le berger est là pour guider ses brebis. Oh, les métaphores de bigote, c'est lourd. Vincent, écoutez, chacun réagit dans son style. Mais ça c'est bien, Marie-Jean. C'est vrai qu'un groupe qui se tire dans les pattes, ça le fait fort. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on n'est pas capable de s'accepter les uns les autres, comment voulez-vous qu'on exige de la tolérance envers les gens? Bon, bah on le fait ou pas? Bob? Bah pourquoi pas, moi j'ai rien contre. Hein. Ah bon, bah voilà, bravo. Fred? Je ne sais pas, écoutez, si c'est avec vous, je veux bien l'essayer. Enculé! D'où Jésus? Merci Fred. Bon. Et vous le remerciez quand il nous insulte de vous. Oh. Blanche, entre 2 nettoyages de printemps, on peut espérer que vous êtes parmi nous. En fait, je ne sais pas si je suis vraiment faite pour ce genre d'expérience. Et moi, pas du tout. Oh, bon, ça va. Blanche. Lily, vous faites, vous? Oh, bah si Bob le fait, je le fais. Oh, bah si Bob le fait, je le fais. Allez, Blanche. Allez, Blanche. Hey, courage. Le groupe sera belle. Et pour une fois que vous ne pouvez pas vous en laver les mains, hein. Si vous pouvez, si vous voulez pas le faire pour vous, faites-le au moins pour le groupe. Oh, le chantage affectif. Oh. Tif. Ah, la salope. Bon, bah d'accord, mais c'est bien pour vous faire plaisir. Hein. Génial. Yes, merci. Bon, Marie, ma belle et douce Marie, il ne me reste plus que vous. Mais je dis d'envoyer la patrie avec moi. Je ne me prêterai pas pour simulacre, un point c'est tout. Enculé ! Reviens, Marie-Joseph ! Mais pourquoi, nom de Dieu ? Mais pour ça, justement, entre Fred qui ne le fait pas exprès et vous qui en rajoutez à loisir, on se croirait plus dans un bistrot que dans un cabinet médical. On se calme. Écoutez, Marie, si Vincent fait un effort de vocabulaire, vous pouvez peut-être à votre tour faire un effort pour rester parmi nous. Non, il n'y a pas que ça. J'ai un train à prendre et je dois être partie dans une demi-heure, dernier carat. Non mais, attendez, ne me dites pas que vous êtes aussi sidérodromophobe. Mais je sais pas, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Eh bien, sidérodromophobe, peur exagérée de rater son train. Et ils ont vraiment des noms pour tout. Et dites donc, comment on appelle quelqu'un qui a peur de rater son avion? Parce que ça, moi, j'en ai 10 par jour dans mon taxi. Hein. Alors, attendez. Peur de rater son avion, aérodromophobie. Oh. Et comment on appelle quelqu'un qui a raté ses études? Je sais, un taxi. Merci. Je déconne.
groupe, là, ça durait combien de temps? Oh, bah, une heure environ. Oui, bah, vous voyez, même avec la meilleure volonté du monde, ça m'est rigoureusement impossible. Oui, oui, bon, allez, c'est bon, c'est bon. Hein. Bob, t'as bien dit que, au début, tout le groupe se présentait et exposait son problème. Oui, c'est ça. C'est le rituel de base. Et puis après, on commence le travail. D'accord. Mais ce rituel de base, là, ça durait combien de temps? En moyenne, hein? Bon, voilà, environ la moitié du temps, quoi. Donc, seule la deuxième demi-heure était consacrée au fameux boulot, là. Ouais, c'est ça. Eh ben, très bien. Parfait. Comme chez nous, les présentations sont déjà faites et que tout le monde connaît le problème de l'autre, eh ben, on peut attaquer le boulot tout de suite. Ouais. Et dans une demi-heure, on a terminé. Ça vous va comme ça? Non, j'ai un train à prendre et je dois être partie. Oh, Marie, si on commence maintenant, à raison de 3 minutes par personne, dans 18 minutes, on a terminé. Et comme ça, vous aurez encore 12 minutes d'avance sur votre train. Eh oui. Parce que vous croyez que nous allons tous régler le problème qu'on traîne depuis des années en 3 petites minutes? Franchement, j'en sais rien. Alors, au moins, on aura essayé. Ce n'est pas pour me faire prier, mais... Voilà. Mais dites oui! Allez, Marie. Vous croyez, Fred? Mais oui, bien sûr. Marie, 3 minutes. Juste le temps d'un œuf à la coque. D'accord, je sais. Génial. Dieu m'est témoin que je n'y crois pas une seconde. Mais oui, Dieu vous est témoin et Jéhovah aussi. Alors, 5 minutes. Alors, va prier. Mais non, je déconne. Bon, on va faire quoi? Ah, bah, pendant 3 minutes, on va se focaliser sur une personne et l'aider à combattre son toc. Oui, bah personnellement, pour moi, c'est du charabia. Bien. Non. En fait, si je comprends bien, chacun va essayer de combattre son toc devant tout le monde, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Bah alors, on le fait? On le fait? Bon, bah, on le fait. Alors. On le fait. Allez, on le fait. Allez. Prenez tous votre chaise. On se met comment? Roche. En cercle? Roche à côté. Non. Va-t'en. Symétrique. Oh. Bon, on reprend l'ordre d'arrivée, là? Bon, bah, on va se stresser pour se presser, hein. Autant se jeter à l'eau. Ah, mais non! Bon, que dois-je faire? Eh bien, pendant 3 minutes, vous devez pas dire de gros mots, ni faire de gestes grossiers. Ah, et vous vous mettez là. Je prends ma chaise? Oui. Vous savez, mon âge, je ne crois pas trop au miracle. Mais bon, comme je suis d'accord pour essayer... Allez, allons-y. Vous avez une montre? Hé, pas la peine. Allez! Top chrono! Être du cul! Ah bah bravo, ça commence très fort! Pardon, c'est le stress. On sait, Fred, on sait. Allez, on est tous avec vous. Ah, tous des cons! Bon, là, je crois que la démonstration tourne court. Marie, tout d'abord, c'est pas une démonstration. C'est un exercice de solidarité. Bon, Marie, arrêtez d'envoyer des mauvaises vibrations au groupe, ok? Vibration, vibrofion! Oh, non, mais je vous avais dit... Je ne pense pas que ce soit d'avoir commencé par moi, que ça soit bon. Ça va pas être bon pour le moral de groupe. Mais non. Il reste combien de temps? 1 minute 45. Est-ce que vous sentez là que vous filtrez certaines grossièretés? Ah, t'as chaud, merde! Ah bah oui, on sent bien le filtre là! Bon, c'est fini, Non. Excusez-moi, ça vous ennuie si j'ouvre un peu? Ah, ouvre ton cul, salope! Juste la fenêtre, ça suffira. Si le docteur était là, il nous trouverait grotesque. Oui, bah le docteur, il est pas là, on se démerde comme on peut en attendant. Hein. Bon, allez, c'est bon, dernière minute, allez. Enfoiré de salopard! Oh mon Dieu, ce qu'il ne faut pas entendre. Mais Fred, accrochez-vous. Allez, essayez de vous concentrer. De tomates! Voilà, allez, 30 secondes. Encore, allez. Mais ça n'en finit plus. Oh, toi, ta gueule, hein. Oh, bah, vas-y, ça. Et si je m'excuse, je vais encore me faire sermonner par Vincent, alors... Oui, bah ça va, hein, je finis par avoir l'habitude. Bon, allez, 3, 2, 1... Ah, ça perd,
Ça perd les beaux putes. Mais il a un petit dernier pour confirmer le fiasco. Comme je vous avais dit, avec moi, les dés sont pipés. Bon, allez, on enchaîne, hein. Ah oui, parce que cet échec ne vous suffit pas. Mais attendez, Marie, fallait pas s'attendre à des guérisons spectaculaires non plus. Et il a raison, hein. Mais on n'est pas lourd, hein. Bon, bah, c'est à moi. Oui. Bon. Alors. Je dois rien compter pendant 3 minutes, hein, c'est ça. Hein. Allez. Top chrono. Non mais, il faut que vous me parliez aussi. Sinon ça peut durer des plombes, hein. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? Eh ben, je sais pas, moi, des trucs qui me forcent à compter. Sauf que moi, je vais résister. Ouais. 2 fois 12. 140. Non, oh, c'est ce qui s'appelle résister. Désolé, c'est sorti tout seul. Ah bah non, Vincent, si vous me piquez mes répliques maintenant... Bon allez, je me concentre. Allez-y, je suis prêt. Je vais vous montrer moi qui sert à vous. Allez-y. Marignan, rien à foutre. Déclaration des droits de l'homme. J'étais pas né. J'avais foutu les pieds dans le département de merde. Oh, bravo Vincent. Alors là, vous m'épatez, hein. Ouais, en fait, on en fait tout un fromage, mais c'est pas si dur que ça au fond. Hein. Oui, oui. 700. Merde. Oh la vache. Putain, il faut rien lâcher avec vous, hein. Bon, vous m'aurez pas 3 fois. Même année que la déclaration des droits de l'homme. Déjà, machin. Sans déconner. Et pourquoi pas les nains de Blanche-Neige tant que tu y es, hey. Les péchés capitaux multipliés par les travaux d'Hercule divisés par les Dalton. Cette fois, vous y allez par 4,21. Fastoche. C'est de votre guerre, hein. C'est moi qui vous ai demandé. Peugeot 404. Oh non, les bagnoles, je suis pas lourd, hein, sinon. Victor Hugo. 1802-1885. Et Paris, c'est pareil. Je suis taxi, c'est des automatismes. Aspégis. 1000. Fiat. 500. Pi. 3-14-107. Ça me va. 12. Les mercenaires. 7. Les petits cochons. 3. Stop. On arrête la boucherie, là. Mais c'est pas une thérapie, c'est du peur. Guignolade. Le temps est écoulé, là. On s'en fout, c'est nul. C'est nul. Je te dis ça. T'as fait des efforts, je te trouvais ça. T'es trouvé fort. Fort. Moi, la calculette vivante, je suis même pas capable de me concentrer plus de 10 secondes. En plus, je me fais niquer par ces 3 petits cochons, là. Non, mais 3. C'est vraiment la honte. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là, maintenant? On dit au revoir à tout le monde et... Fred et moi, on fait une partie d'échecs. Ah, mais j'ai pas le droit à ma thérapie de groupe, moi. Mais on s'en fout, c'est nul. Faut arrêter, là. Mais c'est pas parce que ça n'a pas marché pour toi que ça peut pas marcher pour quelqu'un d'autre. Oui, et même si ce ne devait marcher que pour un seul d'entre nous, ça vaut le coup de continuer. Oui, bon, mais... Oui, et même si ce ne devait marcher que pour un seul d'entre nous, ça vaut le coup de continuer. Mais je disais pas ça pour casser l'ambiance, mais enfin, moi, j'y crois plus une minute. Enfin bon, si vous voulez continuer, on continue. Je veux pas vous décourager. Mais enfin, c'est drôlement bien imité, en tout cas. Bon, bah, c'est à quel tour? Ah, au couillon qui le demande. Ah, bah, pas, c'est pas moi. Pardon. Pardon. Ah non, oh non. Entre 3 minutes, vous ne devez pas vous laver les mains. Ah bon? Bah oui, bah sinon ce serait trop facile. Ah bah oui, sinon ce serait trop facile. Ni ouvrir la fenêtre. Oui, ni ouvrir la fenêtre, elle a raison. Bon, vous êtes prête? Allez. Top chrono. Oh putain, hey, je ne sais pas ce que j'ai touché, moi. Oh, mais j'ai les mains crades. Oh, aussi. J'ai les doigts qui puent. Mais c'est Marie qui avait raison. C'est nul, ça sert à rien. Mais moi, je tiens à ce qu'on aille jusqu'au bout. Ah bon? Vous avez viré votre cutie, vous? Ah
Revenons, les 3 minutes, c'est rapide, et puis si jamais ça peut aider quelqu'un... Mon cerveau ah, ben, pas elle, j'y vais, en tout cas. J'y vais. La pauvre, elle doit s'en vouloir. Il faut pas, ça sert à rien. Non mais n'empêche, elle doit être minée. Non mais ça va, Lily s'en occupe. Elles reviennent. Ça va, Blanche? Oui, sauf que j'ai craqué tout de suite. Ah! C'est pas grave. On continue. Oui, mais s'il vous plaît, ne me dites plus des choses pareilles. D'accord. Mais, écoutez, Blanche, permettez-moi de vous toucher les mains, d'autant plus que les miennes sont très propres. Moi aussi, moi aussi. Ah ben, moi aussi. Mais moi aussi. Moi aussi. Elle est pire que moi. Elle peut même pas tenir 10 secondes. Mais, écoutez, Vincent, vous savez, les phobies, ça n'est pas facile non plus. Hein. Moi, je la comprends, hein, parce que mes trucs de ligne, c'est pareil. Ouais, bon, bah, d'accord. Bon, et qu'est-ce qu'on fait quand elle revient, là? On passe au suivant? Non. Je pense que nous devrions lui laisser une dernière chance. Ben oui, la pauvre. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Et si on faisait juste ça? Et si on faisait juste ça? Ah oui, sans rien dire. Juste ça? Juste ça? Ah oui, c'est pas faux, ah, ça, oui. Bonne idée. Bon, ben, tous ensemble, alors. Allez. Allez, tous ensemble. Allez. Non, c'est pas possible. Et là, je tourne carrément à la séance d'humiliation. Non, je ne pense pas. Pas avec nous, en tout cas. Hein. Bon, allez, on enchaîne. Oui. Bon, bah, c'est à vous, Marie. On attend que Blanche revienne. Oui, bah, bien sûr, on attend qu'elle revienne. Ah, bon, mais de toute façon, quand elle y va 3 fois de suite, la dernière est toujours plus rapide. Ah, combien de temps? 23 secondes en moyenne. D'ailleurs, elle devrait réapparaître dans... 3, 2, 1... Waouh! Et t'es un vrai chronomètre là-dedans, hein? Ça fait lecteur MP3 aussi. C'est ça, fous-toi de ma gueule. À vous, Marie. Oh mon Dieu, je viens de dire. Bon, que dois-je faire? Eh bien, vous ne devez rien vérifier pendant 3 minutes. Sauf mon cul! Venez-vous signer, hein? Venez-vous signer. Ah oui, elle a raison, le tricot interdit. C'est tout, oui. Bon, allez, vous êtes prêtes? Top chrono. Eh, vous avez vos clés pour rentrer chez vous? Oui, je les ai. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Sûr. Vous avez vérifié? Des tonnes de fois. Ah oui, mais des fois on pense avoir vérifié. Pourtant les clés sont pas dans le sac. Soit on a confondu avec un autre trou. Oui. Ou on a cru les entendre, mais c'était autre chose. Une sarrête ou des pièces de monnaie? Et si on n'a pas les clés? Des pièces de monnaie. Et si on n'a pas les clés pour ouvrir les portes de l'appartement, on peut pas fermer le gaz. L'électricité. L'eau. Qui s'écoule. Dans l'appartement qui va exploser. Ah non, pas ça, mes clés. Oh Seigneur, aidez-moi à retrouver mes clés. On nous met à la couche. Mais non. Oh la chiasse, quelle merde! Bon, un verre d'eau. Blanche, ouvrez la fenêtre. C'est vrai, je peux. Mais il est Bob, il faut lui dégrader son corset. Ouais, faites-le à vous, parce que si c'est moi, là, ça va lâcher. Hein. Ça va, Marie? Oui, ça va aller, merci. 118. C'est bien, le compteur va redescendre. Allez. C'est pas la première fois que ça me le fait. D'après mon docteur, c'est de la spasmophilie. Ce n'est pas bien grave. Pas bien grave. Une fois la spasmophilie, vous faites partir à l'arrêt cardiaque. Ah bah oui, mais dites donc, et quand vos yeux se sont révulsés, là, on se serait cru chez les morts vivants, là. J'ai cru que vous aviez passé, moi, hein. Mais ça vous aura fait plaisir, sans doute. Oh, quand même. N'importe quoi, pourquoi vous dites ça? 102. Non mais, moi, contrairement à vous, bah, moi je vous aime bien, hein, c'est pas comme vous, hein. Et puis, vous faites partie du groupe. Et le groupe, on n'y touche pas. 88. Très bien, le compteur redescend. Allez. Ça va, Marie, là, vous récupérez? Oui, ça va aller, merci. Pour moi, l'expérience est terminée. Continuez sans moi. Allez, au suivant. Allez. Bon, à toi, Lily. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, on
on va vous poser des questions toutes bêtes. Et vous devrez nous répondre en disant les choses qu'une seule fois. D'accord, je vais essayer. Bon, c'est parti. 3 minutes, hein. Ouais. 3 minutes, hein. Allez, top chrono. Vous avez quel âge? 23. Et puis là, vous faites des efforts, là, pour ne pas répéter. Ah bah oui. Vous habitez où? À Montrouge. Et tu peux pas t'empêcher de tout répéter. Bah j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Mais pourquoi? Bah je sais pas, c'est trop compliqué dans ma tête. Tout à l'heure, vous nous aviez dit que vous aviez peur que ça vous tue. Oui, moi ou quelqu'un de ma famille. La pauvre enfant. Allez-y, lâchez-vous, il faut que ça sorte, on est toutes avec vous. On va essayer quelque chose, hein. Prends-toi ta gueule, hein. Merci. Bon, Lily, répétez après moi. Bora, Bora. Bora, Bora. Bora, Bora. Bon. Miu, miu. Miu, miu. Miu, miu. Baden, baden. Baden, baden. Baden, baden. Ok, ça marche pas. Bah non, ça ne marche pas, non. Ça va, Lily? Non, c'est très dur à vivre. Vous levez la bise, histoire de vous couper l'herbe sous le pied. Vous allez vous en sortir, mon enfant. Faites-moi confiance, je sens ces choses-là. Mais oui. Merci, vous êtes adorable. Ça me touche beaucoup, même si ça ne règle pas mon problème. Ça va, Vincent? Oui, c'est mes lentilles, là. Ça pique les yeux, ces conneries. Oh, les lentilles, ça fait péter! Oui, c'est vrai aussi, oui. Ce n'est pas pour vous décourager, Bob. Mais force est de constater que jusqu'ici, nous avons tous échoué lamentablement. Vous dites ça pour vous? Enfin, moi, j'ai quand même tenu 10 secondes. La belle affaire. Ah. Et en 10 secondes, la lumière est parcourue quelle distance? 2 997 925 km. Et voilà, encore niqué. Ben non, hein! C'était pas mon tour, là! Bon, ben, je vais te dire un truc, hein. Niqué pour niqué. Je préfère me faire avoir par un calcul comme celui-là que plutôt que par ces 3 petits cochons là. Parce que ça pour moi c'est vraiment trop long. Vous savez ce qui serait formidable là maintenant? Eh bien ce serait que Bob réussisse là, on s'est tous plantés. Oui, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, elle dit ça parce que Bob l'a embrassé tout à l'heure. Eh bah pas du tout. Ce serait génial qu'il y ait 5 personnes en un et l'autre à se surpasser pour tordre le cou une bonne fois pour toutes à toutes ces saloperies de Tom. Personnellement, si Bob arrivait à un résultat concret, je ne serais plus triste d'avoir raté, et je serais surtout fière de l'avoir aidé. Et non seulement ça l'aiderait à reprendre confiance en lui, mais en plus ça l'aiderait à redonner de l'espoir au groupe tout entier. Vous savez ce qui serait formidable? Vous avez raison, hein. Franchement, c'était magnifique, hein. Le cri du cœur. Ah oui, c'est vrai, mais ça met une pression grave, hein. Ça, c'est marrant, on avait sa tirade la première fois, on nous a donné ça formidable, et quand elle rappelle, ils montent par-dessus. Bah évidemment, là, on sait ce qu'elle va dire, hein. Allez, ça va, c'est une. Bah bien, merci, ça nous manquait. Lily, je te remercie pour tes encouragements, ils me vont droit au cœur. Il ne faudra pas m'en vouloir si je rate, hein. T'inquiète pas. Bonne chance. Et voilà. C'est bisous à tous les étages maintenant. Jalouse. Allez, baissez-vous, hein. Vous savez, je
veut dire regarde dans tes rétros, ça pétasse. J'y vais. Et voilà, il va falloir attendre Blanche maintenant. Vous allez voir que je vais vraiment finir par rater mon train, moi, avec vos âneries. Mais non, vous inquiétez pas, pour votre train, je gère. D'accord ? Et d'accord. Et d'ailleurs, Blanche va revenir dans exactement 23 secondes. Juste le temps pour moi de briefer Bob. Bonjour, monsieur Bob. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à marcher sur toutes les lignes qui sont sur le sol. Attention, j'ai bien dit toutes les lignes. Les grandes, les petites, les droites, les obliques. Toutefois, si vous ou quelqu'un de votre groupe venait à se faire prendre, nos services n'iraient avoir eu connaissance de vos agissements. Attention, cette conversation s'autodétruira dans 5, 4, 3, 2, 1. La porte. Merci Vincent. C'est vraiment toujours la grande rigolade à chaque fois que je reviens. Non mais oui, enfin c'est vrai, on rigolait, mais pas de vous, promis. Oui, Bob doit marcher sur les lignes. Bon, c'était facile à deviner que ça allait être ça son gage. Mais attendez, c'est pas un gage, hein. On est plus en train de jouer là. Fini la rigolade, hein. À partir de maintenant, attention. Putain, quelle pression. Allez. Je suis sûre que tu vas y arriver. Allez. Top chrono. Allez Bob, on est tous derrière toi. Allez Bob. Vous pouvez le faire. Vous devez le faire. Pour nous. Pour le groupe. Allez. Pour Jésus. Hop. Les publicités clandestines, interdites pendant le travail. Allez Bob, je suis bloqué. Mais t'as réussi à le faire tout à l'heure là pour aller jusqu'à ta chaise. Alors je sais pas moi, danse si tu veux, mais tente quelque chose bordel. Allez. Je suis complètement bloqué. Oh mais une ligne, une. Juste une. Allez lâchez-vous. Allez. Allez Bob, pour me faire plaisir. Oh, j'aimerais tellement. Allez Bob, pour me faire plaisir. Alors. Juste une petite ligne. Oui, allez, une allez, petite. Allez, allez. Chef do it, comme disent les jeunes, hein. Allez. Ben, si je réussis, on aura le droit de bise. Oh. Alors j'y vais. Allez, Bob. Allez, on est tout derrière toi. Allez. Allez, Bob. Allez, Bob. Allez. Allez, Bob. Allez. Ah, je bloque. Oh. Allez, Bob. Pourquoi? Mais il faut que ça vienne de lui. Vincent, je ne crois pas que ça soit une bonne idée, hein. Mais s'il n'arrive pas à prendre la décision tout seul, on peut l'aider quand même, non? Non, je ne veux pas. Bon, ben, vas-y, hein. Allez, on le courage encore. Allez, 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 allez
Mais quoi, c'est des automatismes, moi je suis taxi, hein. Oh. Satan, sors de ce corps. Satan, ma vie. Eh ben moi, je me moque. Attention à ne pas décevoir le groupe, hein. Le groupe, je l'emmerde. Voilà, et moi, j'ai peur, hein. Ni des lignes, ni les microbes, et ni les bourdieux. Et j'ai dit les gros mots, une fois si je veux, et voilà. Ah ben alors là, vous jouez au mec sympa, mais au fond de vous, vous êtes une vraie peste. Oh là là, la peste, il faut faire attention avec ce truc-là. Je le sais, là, je l'ai. Ah, c'est pas tout, j'ai les oreilles longues. Les deux! T'es plus calé du jeu! Écoutez-moi bien ce que je ne répéterai pas deux fois! Écoutez-moi bien ce que je ne répéterai pas deux fois! Je rejoins les crédibilités quand même! Ce n'est pas parce que vous êtes plus âgé que Bob Blanche ou moi qu'il faut vous croire tout permis, hein! Et je vous préviens, la prochaine fois que vous osez vous en prendre un du groupe, moi je prends le sac de Marie, je mets un post-it dedans et je vous éclate les noix avec! Compris, Raymond? Bon, Réo, putain! Allez hop! Non, mais... Vincent, non, là! Mais moi, j'ai pas envie d'entendre ça une deuxième fois! Laisse-la sortir! Oui, mais quand elle aura fini! Oui, mais surtout, excusez-vous! Oui, oui. Ah, si j'étais un homme! Je serai capitaine d'un bateau! Laisse-la sortir maintenant! Vincent, je vous prie de vous excuser quand même! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! M'excuse. Mieux que ça, mieux que ça. Je suis désolé, j'ai pété un câble. C'est cette thérapie, là, ça m'a mis sur les nerfs. C'est pas une raison pour vous venger sur nous. Bon, désolé les enfants. J'ai été très très con sur ce coup-là. Ah oui, compte ma taxi. Et oh, et la charité chrétienne, hein? Allez dans ton cul! Il y a un problème? Non, 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 non. Pourtant, j'ai entendu du bruit. Non, mais t'es là, t'es là. Non, c'est... Je voulais tellement que tu y arrives. Ah bah moi aussi, hein. J'aurais même mis un billet là-dessus. Ah bah moi aussi, hein. Et un gros, hein. Toi aussi. Pourtant, c'est pas faux de les avoir encouragés, hein. Ah bah c'est sûr qu'on a tout donné de la voix. Bon, oui, on vous a encouragé combien de fois? J'en sais rien. Vincent. Oui. On l'a encouragé combien de fois? Chacun. À la louche. À la louche. Ou alors chacun. Chacun. Je sais pas. Seulement vous, alors. Seulement moi? Oui. Non, mais ça non plus, je sais pas. Hein? Comment ça se fait? Ça se fait que... J'ai pas compté. Hein? Quoi? Hey, je m'excuse, mais... J'y ai pas pensé, j'ai pas compté. Oh, c'est génial! Vincent, vous n'avez pas compté? C'est génial! De quoi, que je m'excuse? Mais non, que vous n'ayez pas compté, venant de vous, c'est surprenant. Vous qui comptez absolument tout pour tout le monde, vous n'avez pas compté les encouragements qu'on a prodigués? Ben non, non, j'étais focalisé sur Bob, là, moi j'avais qu'une idée en tête, c'est qu'il marche sur ces putains de lignes. Alors le reste... Mais alors, si c'était ça la solution? Quoi? Ouais. Eh bien, ne plus penser à soi, s'oublier. Pourquoi vous dites ça? Vous n'avez rien remarqué tout à l'heure? Non. Bon. Personne. Non. Bah non, mais il fallait remarquer quoi? Eh bien, quand Bob est allé chercher un verre d'eau pour Marie qui s'étouffait... Eh ben... Oui. Eh bien, il a marché sur les lignes. Hein? Oui, c'est vrai. En vrai, je ne le dis pas qu'une fois en plus. Hein. À la louche, je dirais entre 16 et 18. Non, mais tu t'en es rendu compte ou pas? Mais non, pas du tout. Non, mais tu t'en es rendu compte ou pas? Mais non, pas du tout. Il s'est tout fait alors j'ai parlé au plus pressé. Eh oui. Il a marché sur les lignes, il a vaincu son toc, c'est sûr. Mais alors ça veut dire que Bob a réussi? Mais alors ça veut dire que Bob a réussi?
Eh oui. Mais là où on ne l'attendait pas, mais il a vaincu les lignes. Non, attendez, attendez, attendez. Mais ça marche hein, quand c'est pas notre tour. Et pourquoi ça marcherait pas? Et pourquoi ça marcherait pas? Le principal, c'est le résultat. Mais tout oui. à fait. Tout à fait. Mais alors, moi aussi j'ai réussi alors. Hein? Puisque j'ai pas compté les encouragements à Bob, alors qu'il devait y en avoir au moins 125. Facile. Ah bah finalement, deux, c'est pas si mal. Ce n'est déjà plus le fiasco annoncé. Bah annoncé par qui? Oui, moi j'y croyais pas beaucoup au début, c'est vrai. Mais force est de constater que deux, c'est déjà très bien. Et trois, c'est encore mieux. Et trois, c'est encore mieux. Trois? Mais pourquoi? Il y a un troisième? Pas un troisième, une troisième. Ah non, mais non. Pas un troisième, une troisième. Ouais, okay, mais c'est qui? C'est vous, Blanche. C'est vous, Blanche. Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Eh bien, tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté. Et vous m'avez serré les mains très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Et bah tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté. Là, si on mélange tout, mais... Si on mélange tout, là, comme ça, là, on est mort. Hein. Tout à fait. Ah bah tiens, qu'est-ce que je dis ça? Et pourquoi vous ne vous êtes pas lavé les mains cette fois-ci? Bah, à vrai dire, je ne sais pas. J'étais focalisée sur l'action et... Elle était focalisée sur Lily. Sur sa tristesse, effectivement. Et c'est vrai que d'habitude, quand quelqu'un me touche ou que je touche quelqu'un, je file aussitôt à la salle d'eau me laver les mains. Et là, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit, c'est vrai. Et moi, je sais pourquoi ça ne vous a pas effleuré l'esprit. Écoutez, quand vous avez pris les mains de Lily, vous lui avez donné de l'amitié. Et l'amitié, ça n'est pas sale. Oh putain, c'est beau. On va me tirer du pagnol. Mais c'est génial, cette carabine groupe. Oui, mais attendez, mais mine de rien, on en est à 50% de réussite. Hein. Oui, ben continuez sans moi, je reviens. Et oh, mon train. On a peut-être oublié quelqu'un. Ah, sûrement. Oui, mais qui? Sûrement. Elle s'en va, alors que j'ai mon train. Oh, hé, c'est bon, hein. Bon, père, oh, votre train. On aurait oublié qui? Je sais pas, moi. Mais moi, j'ai mon train. Oui, bon, mais votre train, c'est bon. Et d'abord, c'est quel train? Hein? Quel horaire? Quel gare? Paris-Melun, gare de Lyon, 18h23. Ah! Gare de Lyon? Mais c'est ma gare, ça? Oh, fume! C'est des Belges! Quoi? Quoi? Vous trouvez, il y a quelqu'un d'autre qui, le temps de la séance, a vaincu son toc. Ah ben oui! Mais si! C'est le colonel Moutard. Oui, il a tué Mademoiselle Rose. Dans la bibliothèque avec le chandelier. Non, Vincent, c'est important. Blanche, c'était qui? C'est Marie. C'est vrai? Oh mon Dieu, quel bonheur. Mais c'était quand? C'est quand tout à l'heure, quand Fred parlait, en fait, il vous a traité, sans le faire exprès, bien entendu, hein, de sac à merde. Ah, oh, oui, ça je m'en rappelle. Mais c'était quand, ça? Mais c'était tout à l'heure, et quand vous lui avez dit ça, Marie n'a pas pensé à vérifier son sac. Et pourquoi elle aurait dû le faire? Parce qu'à chaque fois que l'un d'entre nous a prononcé le mot sac, Marie regarde aussitôt son sac. La preuve. Marie. Ah, non, mais là je vérifiais juste que j'avais bien mais c'est bon, je les ai. Non, mais tout à l'heure vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas vérifié votre sac? Eh bien non. J'étais tellement outrée parce qu'il me disait que je n'y ai plus pensé. Bon, admettons que Marie a réussi à convaincre son temps. Eh bien, il reste deux personnes. Vous, Fred. Et toi, Lydie? Non, mais moi, je vous l'ai dit, je ne compte pas. Ah bon? Bah alors, regardons quand Lydie a réussi à combattre son peuple. Ah mais non, mais moi, depuis le début, j'ai absolument tout répété. Non, mais là, tu pars battu, je faut pas... Eh, ah. Il l'aime bien, ça, Lydie. Hein. Oh, est-ce que tu peux être lourdeau, toi? Oh, mais ça va, hein. Eh, y a pas de honte à être attiré par quelqu'un, hein. J'ai pas honte. D'ailleurs, si Lily veut qu'on se revoie après la séance, mon numéro de portable, c'est le 06 12 80 18 23. Mais là, c'est pas le propos. Oh, 06 12 80 18 23. 06 12 80 18 23. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Hein. Vous allez voir qu'on va finir par les marier, ces deux-là. Ah, et pas sûr. Hein. Si elles se trouvent, ils vont vite m'empêcher. Bon. Tu es sûr d'avoir tout répété depuis que t'es avec nous? Tout. Sauf deux lettres. Quelles lettres? Juste une syllabe. Et laquelle? Eh bien, pi. Pi, mais c'était quand ça? C'était quand Vincent parlait tout à l'heure, il a même dit 3-14-116. Ah oui, en plus, je vous ai épargné toute la ribambelle après la virgule. Enfin, de toute manière, ce machin-là, c'est sans fin. Et ça compte, ça, deux lettres?
Pourquoi ça compterait pas? Mais oui. Mais ça compte. Bah oui, ça compte. Ah, mais au fait, je sais pourquoi elle a pas répété Pi, moi. Eh ben, bien sûr, voilà Monsieur Vincent dans toute sa splendeur, toujours plus fort que tout le monde. Bah oui, non, enfin bon, réfléchissez un peu. Si Lily avait répété Pi, ça aurait donné pipi. Or, elle est bien trop polie pour dire des choses pareilles. Voilà, c'est QFD. Lily. Oui, oui. Dans l'alphabet, quelle lettre vient juste après le J? K. Ok. Autant pour moi, j'ai rien dit. À mon avis, elle était comme nous, prise dans le feu de l'action, et en l'instant d'une seconde, on a oublié de répéter deux fois. Bah une seconde, ça fait pas beaucoup quand même. Oui, mais depuis 10 ans, c'était arrivé depuis combien de fois? À la louche, jamais. À la louche, jamais. Eh bien, cette seconde, c'est de l'espoir en branche. Si tu comprends ça, dis-moi oui. Une seule fois. Une seule fois. Oui. Bravo. Bravo, Lily. Bravo, Lily. Bravo. Je vous en prie, je suis curieux, hein. Merci. Merci. Bon. Eh ben, on sait pas trop mal débrouiller, hein, quand même. Bah, oui. Et franchement, je suis sûre que Cern n'aurait pas fait mieux que nous. Ah bah oui, oui. Et franchement, je suis sûre que Cern n'aurait pas fait mieux que nous. Ah bah oui. Je suis sûr que chacun va repartir avec bon espoir de régler son problème. Oui, tout le monde, sauf vous, Fred. Non, mais moi, ce n'est pas grave. Ah, salope! Oh, c'est bien, Marie. Mais vous avez peut-être réussi quand même pendant quelques secondes à combattre votre toc. Oui, mais quand? Eh ben, on n'en sait rien, là, mais écoute, écoutez, on n'a qu'à prendre 2 secondes, justement, pour m'emberger et y réfléchir. Oui, hein? Bah, 2 secondes, hein, parce que tchou-tchou. Ouais, c'est bon. Bon, 2 secondes. Oui. Oui, alors. Non. Vous voyez, je le savais. Je viens d'avoir le docteur. Ah. Il sort de l'avion, il arrive. Il vous demande de bien vouloir l'excuser pour tous ces contretemps indépendants de sa volonté. Il espère que vous pourrez tous l'attendre. D'accord, mais il est où là? Ah, voici, il saute dans un taxi. Il en a au moins pour 1 heure là, avec le bordel à cette heure-ci. 1 heure minimum. 1 heure, mais j'ai un train moi. Oh, hey, ça va, hein, avec votre train, vous nous pompez. D'abord, le train, vous l'avez raté. C'est pas vrai. Bah si, depuis 10 minutes au moins. Mais vous m'avez dit que vous me diriez. Je vous le dis, bah, vous l'avez loupé. Très sympa, je sais. Mais dites donc, au fait, vous allez où? Mais je vous l'ai dit, je vais chez moi à Melun. Oh, Melun. Mais c'est la province, hein? Ouh. Oh la vache, ça va douiller dur. Oh. Bon, hé, je suis sympa. Hein. Je vous ramène à votre domicile avec mon automobile. Mais j'ai nullement envie de prendre un taxi. Mais vous inquiétez pas, je mettrai pas le compteur. Ah bon, bah ça va, là. Vous allez voir, ils vont finir ensemble, ces deux-là. Mais non, hey, c'est juste un petit coup, comme entre copains. Bon, ben on y va. Allez, c'est parti. Vous n'attendez pas le docteur? Ah non, ben c'est bon, moi, je l'ai assez attendu pour aujourd'hui. Mais au fait, vous pouvez lui faire une commission pour moi? Oui, bien sûr. Alors dites-lui que je le remercie de ne pas être venu. Hein? Non, parce que... je ne sais pas ce qu'on aurait fait avec lui, mais ça m'étonnerait que ce soit aussi fort que ce qu'on a fait sans lui. Wow. Bien parlé. Bien parlé, oui. Et dites-lui que j'étais contre au départ, mais totalement pour à l'arrivée. Je dirais. Quant à moi, eh bien, vous lui direz triple fion. Non. Non. Je lui dirai moi-même. Hein. Vous allez l'attendre, hein? Ah mais oui, parce que vous savez, moi j'ai tout mon temps. Et puis je ne résiste pas à une petite consultation privée. Juste pour voir ce que ce grand docteur Stern va bien pouvoir me dire. Mais bon, je doute que ça soit beaucoup moins fort que vous. Et on doit régler quelque chose? Non, bien sûr que non. Encore heureux, encore heureux. Bon ben on y va, hein? Bon, hé, les enfants,
Vous profitez du taxi? Je vous jette en passant? Mais profitez-en, hein, c'est open bar ce soir. Hein. Ah non, non, moi c'est bon, Bob me dépose en scooter. Bon, Blanche, je vous jette en passant également? Non merci, j'ai ma voiture. Ah bon? C'est quoi, une ambulance? Enfoiré! Bon ben, au revoir, Lily. Ah non, non, moi c'est 4. Ah. Ah non, 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 moi c'est 4. Fred. Enfoiré. Merci beaucoup, Fred. Moi aussi, je vous oublierai jamais. Hein? Tenez, je vous laisse une carte. Si un jour vous avez besoin d'un taxi, m'appelez pas, je serai sans doute occupé. Par contre, si un jour vous avez besoin de parler à un ami, c'est le même numéro. Charmante. Je suis ravie de vous connaître, vraiment. Moi aussi, charmante Lily. Vraiment, vraiment. Ce matin, on ne se connaissait pas, mais ce soir, vous faites partie de ma vie. Ah. Pareil pour vous, mon... Vous, on ne se connaissait pas ce matin, mais ce soir, vous faites partie de ma vie. Ah. Pareil pour vous, mon bon Bob. Pareil. Mais bon, je voulais quand même vous dire, Fred, que c'est pas parce que personne du groupe ne s'était rendu compte au cours de la séance que vous n'avez pas vaincu votre top que vous n'avez pas néanmoins vaincu un petit moment. Bon, je vous remercie, Blanche. Franchement, ça me touche, hein, vraiment. Pourquoi je peux toucher quelqu'un? Au revoir, Blanche. Permettez-moi de vous faire un cadeau. Oh, mais comme c'est gentil. C'est une image du Padre Pio. Ah, j'ai promis d'arriver maintenant. Hein? C'est sans garantie, mais ça peut peut-être vous aider. Oh, bah, oh, ouais. Je le porterai toujours sur moi. Hein. Qui? Dans le doute. Le Padre Pio, là? Forcément, vous savez même pas qui c'est. Oh, bah, vous savez, moi, bien remplaçant. Mais vous faites mal, là. Mais non, je déconne, c'est juste une tape comme ça entre copains. Mmh. Bon, allez, on y va? En voiture, Simone. Tout ça de là. Allez, au revoir. Allez. Mais bon, je suis fané. Enfoiré de salope. Vous m'avez appelé, docteur. Non, voilà, j'ai fini mes notes. Vous les donner à taper et envoyez le tout à mon bureau à Vienne. Bien, docteur. Bon groupe, hein? Enfin, après le peu que j'ai vu d'en voir. Ah oui. Excellent goût. L'un des meilleurs que j'ai eu cette année. Hein. Meilleur que ceux de Lille et même que ceux de Bruxelles. Alors, vous n'êtes jamais aussi bon que lorsque vous travaillez dans votre plan de matériel. Ouais. Vous le savez bien, docteur. Eh oui. Rappelez-vous la séance de Lausanne il y a 2 ans. Ah. Lausanne. Mardi, nous serons à Barcelone. La séance est à 15h30, vous vous souvenez? Oh, mais claro que si! Hijo de puta!
Thank you.